Bonjour, mort de l'animatrice Marie-Dominique l'artiste Tiesco le Sultan fait des graves révélations. Et dit ses vérités au directeur de Pipolémique. Le discours, voilà. Jusqu'à preuve de contraire, Maury ne m'a pas encore dit que je ne suis pas son petit frère. Ne m'a pas encore dit que je suis pas sa famille. Donc, quand il me dira ça, peut-être que ma manière de voir les choses vont changer. Même s'il m'envoie en prison, même s'il fait ce qu'il veut, un frère reste un frère. La preuve en est que il m'a mis en prison. Je suis sorti de prison. C'est le même encore qui a organisé concert pour moi à l'acoustique. Il y avait plus de 600 personnes. Pour ceux qui disent que je ne fais jamais de concert, les vidéos sont là, les photos sont là. C'est Maury qui avait organisé. C'est le Mola lui-même qui avait organisé mon concert, je pense, il y a 2 ans. Bon, j'ai fait un post. Comme pour habitude, j'ai l'habitude de taquiner mon petit frère Didier Moasco, qui n'est jamais allé en France. Et pour le stimuler, pour le taquiner, comme on le fait souvent dans le coupé décalé. Parce qu'il faut savoir que nous sommes des acteurs du coupé décalé. Nous sommes des artistes du coupé décalé. Même si parmi nous, beaucoup ne chantent pas le style coupé décalé, mais c'est l'esprit coupé décalé qui nous anime. Et dans ce coupé décalé-là, c'est le bruit. Il faut le bruit. Le coupé décalé a besoin de bruit. Quel que soit le bruit. Voilà. Donc c'est dans ça on est. Donc c'est comme ça que je taquine mon petit frère Didier Moasco, que j'adore, que j'aime beaucoup, très bon artiste, mais qui n'a jamais venu en France. Donc de temps en temps, je fais des posts pour le taquiner comme ça et tout, et ça le stimule. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que j'ai fait un post il y a 2 jours par rapport au conseil de la team PEA, où j'ai dit dans le post que, parce que je vois dans la team PEA, les petits se soutiennent. Je vois leur leader qui est Zagba, qui joue son rôle correctement. Donc, j'ai dit dans ce poste-là que si Maury le Mola se comportait comme Zagba le requin, peut-être que Didier Moasco serait déjà en France. C'est une manière de taquiner Moasco pour dire que il n'a pas peut-être un bon parrain, ou bien il n'y a pas de solidarité, machin. Mais le poste ne visait pas spécialement à accabler Mola. Mais c'est un exemple de leadership que j'ai pris. Et tout de suite, le vieux père s'est braqué, comme à son habitude. Tout de suite, il s'est braqué. Il est venu répondre tout de suite. Ouais, Tiesco, ça fait 2 fois qu'il t'a averti. Il n'aime pas tes amusements. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Maintenant, d'autres personnes qui adorent quand Tiesco est dans problème, qui attend toujours le côté négatif de Tiesco pour parler, pour partager, pour dire non, il va te mettre en prison, la troisième fois il va te mettre en prison. Mola n'est pas Dieu. Il peut me mettre en prison 1000 fois. Si je sors, que j'ai envie de parler de lui, je vais parler de lui. Vous comprenez un peu? Donc, pour vous, que ça amuse, que vous pensez qu'à faire de prison, là, c'est un jeu. Ou bien on n'est plus d'un pays de liberté d'expression, ou bien on ne peut plus s'exprimer, ou bien ça veut dire que couper les calés là, après Arafat là, c'est fini. On ne doit plus parler, on ne doit plus se clasher, on ne doit plus se taquiner, on ne doit plus rien faire. Couper les calés que Doug Saga a créé. Et puis on parlait dedans. Et puis on se taquinait, on se lançait des pics, on faisait du bruit, du boucan, tout. Si aujourd'hui, à cause de Maury le Mola, à cause de vous, votre bouche, à cause de prison Maka, on ne peut plus parler, on ne peut plus rire, on ne peut plus se taquiner, on ne peut plus rien faire. Et que vous allez prendre ça pour partager partout. Oh, il manque de respect à ses vieux pères. Il fait ça, il fait ça. Qui est parfait parmi vous? Mola lui-même, il n'est pas parfait. À plus forte raison, vous qui êtes sur Internet là. Donc, dès que Tiesco dit un petit truc net, tout le monde s'enflamme. Dans son commentaire, lui-même, Mola, il y a les gens qui l'ont insulté. Sur ses posts, lui-même, il y a les gens qui l'insultent matin, midi, soir. Et pourquoi il ne va pas le garant? C'est parce que quand c'est Tiesco, là, c'est intéressant. C'est parce que quand c'est Tiesco, c'est dit que tout le monde attend le malheur de Tiesco pour dire oui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça.
Mais quand Tiesco va réveiller un dinosaure comme Petit Denis pour chanter avec lui, pour faire clip avec lui, vous savez comment c'est difficile de chanter avec Denko. Jusqu'à aller faire clip avec Denko. C'est vrai, c'est mon vieux père, c'est lui, mais donc non. Mais moi aussi, je le réveille à ma manière. Ça se félicite, ça s'encourage, ça partage. Mais on ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Quand est-ce qu'on va faire concert, première partie des grands artistes comme Ferregola, meilleur chanteur actuellement au Congo, en live, il n'y a pas l'homme. On ne vous voit pas dire vraiment, Tiesco, bravo. J'ai vu dans le concert plus de 10 000 personnes. Il y avait des drapeaux de Côte d'Ivoire là-bas. J'ai chanté, il y a Dieu dedans, les gens étaient contents. On ne vous a pas vu partager, on ne vous a pas vu féliciter. Ah, vraiment, petit, bravo. Maury, on ne t'a pas vu faire ça. On ne t'a pas vu dire que, ah, petit frère, vraiment, c'est que tu allais faire au concert de Ferré là. Félicitations. On ne t'a pas dit, on ne t'a pas vu quand tu es allé au Cameroun chanter des chansons comme Ils vont aimer, oh. Ça joue partout au Cameroun. Tiesco, il est aimé au Cameroun. On ne vous a pas dit, on ne vous a pas vu dire félicitations, Tiesco, bravo. Parce que mine de rien, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. On ne vous a pas vu me féliciter. Mais dès qu'il y a un petit problème net, tout le monde, oh lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Le petit frère d'Hassan Hayek, le Libanais, qui est aujourd'hui dans la team Peya, je vais vous raconter lui son histoire. C'est un petit à la base, il est TikToker. Il fait des vidéos sur TikTok, sur les chansons des artistes. Il fait des vidéos sur TikTok, sur les chansons des petits de Peya. Et c'est dans ça là, Zagba le requin qui est esprit, il a dit petit, comme tu aimes bien notre mouvement, comme tu es dedans, tu fais souvent les vidéos sur nos chansons, viens avec nous. Sinon à la base, il n'est pas artiste. C'est comme ça, ils ont pris le petit pour le mettre dedans. Mais c'est une bonne chose, c'est un jeu d'esprit. Hein. C'est un jeu d'esprit. Hein. Et je leur dis bravo. Bon, ce petit là, hier, il a fait un post. Il a fait un post sur sa page. Il a fait un post sur sa page. Où il est en train de parler en libanais. Où il dit, connexion. Et puis il a écrit, traduisez-moi ça. C'est une manière de rire. Il a écrit, traduisez-moi ça. Donc moi qui aime bien taquiner, qui aime bien stimuler les gens, je suis allé dans ces commentaires où beaucoup de gens ont traduit. Chacun a dit ce qu'il pouvait dire. Nous tous, on ne comprend pas le libanais. Lui, il est en train de parler. Il fait une vidéo où il parle, où il dit, Shalah. Et puis il écrit en titre, traduisez-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun a mis ce qu'il voulait. Donc dans l'amusement, il est venu mettre ce qu'il a traduit, ce qu'il a écrit. Il est venu traduire que j'ai quitté le monde du shawarma pour me connecter à la musique. Les gens n'ont pas pris le contexte. Hein. Ils ont pris juste ma phrase et lui sa réponse. Pour dire non, vieux père, il y a longtemps tu chantes. Moi j'ai dit un mot et puis il y a eu disque d'or. Mais petit, disque d'or de repéro, disque d'or de suiveur là. Est-ce que c'est la même chose que disque d'or d'un artiste chanteur? Maintenant, comme c'est Tiesco, les Ivoiriens vont venir dire, oh, oh, il a allumé, oh, bravo, il a tiré sur lui, il a allumé, il a fait ça, il a fait ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Au Liban, là, un Ivoirien peut faire ça et puis et les Libanais vont applaudir. Si c'était le cas inverse, là, vous pensez qu'ils vont l'applaudir? Arrivé un moment, vous êtes dans quoi même? Même si vous n'aimez pas Tiesco, aimez au moins votre pays. Petit truc, c'est en train de m'amuser, vous allez prendre ça pour enflammer la toile. Pour dire non, oh, le petit, il a répondu, il y a longtemps, tu chantes, c'est quoi? Moi, j'ai chanté, il y a Dieu dedans. La chanson l'a fait le tour du monde. Peut-être ce pays n'est pas bon parrain. Peut-être ce pays ne donne pas mon cuit. Peut-être ce pays ne fait pas sorcellerie. J'attends mon tour. Mais je suis très fier déjà de mon parcours. La chanson « Il y a Dieu dedans » est connue partout en Afrique. J'ai chanté même ici au Zénith de Paris, à la nuit de la Guinée. Les gens chantaient avec moi. J'ai chanté au concert de Ferregola. Les gens chantaient avec moi. Le son est connu. C'est quelle réussite que vous voulez. C'est-à-dire que moi, là, tant qu'il n'a pas vendu mon âme pour que vous allez vous abaisser devant moi, là, vous n'allez pas être content, quoi. C'est quelle réussite que vous voulez. Le son, j'ai chanté « Mon ami est, mon ami est, mon ami est. » C'est bientôt 1 million de challenges. C'est-à-dire que les gens dans le monde entier font les vidéos sur moi, ma chanson. C'est quelle réussite que vous voulez. Voilà Nakonda qui est mort. Voilà aujourd'hui Marie-Dominique qui est mort. C'est-à-dire tant que moi, je ne suis pas mort là, vous n'allez pas arrêter. Tant que moi, tiens, je ne suis pas mort, vous n'allez pas arrêter.
Un, deux, trois, ils vont te mettre en prison. Un, deux, prison, c'est quoi? Vieux Père Maurice, il te dit, la haine que tu as contre moi, il faut m'appeler. Tu vas me dire clairement ce qu'il en est. On va se libérer. Tu comprends un peu? Parce que je pense qu'un grand frère et petit frère, on peut quand même se taquiner. C'est vrai, tes moments de primude, ça n'est pas allé dans mon sens. C'est vrai, on a parlé, on t'a critiqué. C'est quoi on a appris, effectivement? Avec cette personnalité qui est le professeur, tu sais que tu as délié à lui. Tu fais beaucoup de bruit qu'on a mes oreilles. Qu'on sait qu'on a appris. Après, si tu reviens, il y a bruit encore. Il peut te bloquer potentiellement. Toi, ce genre de comportement, respectez-le. C'est pas n'importe qui, quand même. Je suis le professeur. Respectez la personnalité. C'est quand même moi. C'est pas n'importe qui. Je suis quand même moi. Quand même. C'est complètement défini. C'est complètement défini. Il devait la garder un peu pour lui demander, elle vient tout. Soit c'est Yopougon. Soit c'est Kumasi. C'est entre les deux. Peut-être un peu de très humain à beaucoup. Mais il pense entre Yopougon et Kumasi. Entre les deux. Forcément entre les deux. Pombo aussi, c'est possible. Donc les amis, on parle de combien on arrête le live. Aujourd'hui,